Yo l'équipe, c'est Aude Bison, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre, une vidéo assez spéciale et assez importante pour cette préparation Ironman, parce que ça va être la première fois que je vais tenter la transition vélo et directement course à pied. C'est-à-dire que là, je ne vais pas attendre le lendemain, je ne vais pas attendre deux jours. Là, je vais devoir faire du vélo, une sortie, et après directement enchaîner, je mets les baskets et je dois aller courir. Et en vrai, cette séance, bah du coup aujourd'hui on est samedi, là tu vois la vidéo dimanche normalement, et bah depuis le début de la semaine, je la vois dans mon programme et je me dis putain j'ai trop envie de la faire. En fait c'est la première fois et je sais pas, les transitions, je sais pas, ça me chauffe bien. Donc là ce matin, je me suis réveillé à 8h pour un samedi. En fait, je me suis levé très tôt tous les matins de la semaine et là je me suis dit voilà, prends un petit peu de temps pour bien te reposer parce que c'est aussi important dans cette prépa d'avoir assez de sommeil. Donc je me suis dit voilà, on se lève à 8h et comme vous l'avez vu, je me suis préparé un petit déjeuner. Donc oui, je vous ai écouté, comme je vous l'ai dit, je suis débutant et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mec, si tu fais une sèche, que tu déjeunes pas et que tu enchaînes des deux entraînements par jour, bah, en fait, tu vas être fatigué, tu vas pas kiffer tes entraînements et en plus, tu vas abaisser tes performances. » C'est-à-dire que si tu n'as pas assez d'énergie, bah, c'est sûr que tu vas faire tes séances, mais tu vas moins bien les faire, tu vas pas réussir à faire les temps nécessaires et tout. Donc je me suis dit, allez, vas-y, arrête ça, t'es pas gras, ok, c'est sûr, t'es pas hyper écorché, mais t'as quand même un physique convenable, donc on laisse un petit peu la sèche de côté et on va essayer de vivre cette préparation Ironman comme il se doit. Donc là, je suis en train de regarder et de toute façon, je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure quand je serai dessus, mais j'ai en gros, j'ai 1h15 de vélo à faire et directement après, j'enchaîne avec 32 minutes de run. Donc en soi, c'est pas énorme quand je vois les séances que Baz et que Eric Flag ils font, je vois, ils partent pour 4 heures de vélo et après, courir une heure, mais c'est une dinguerie. Je sais pas comment c'est possible physiquement, mais je sais qu'un jour bah, ça sera à moi de faire ça, donc ça sera possible. Mais actuellement, je pense que c'est pas possible. Mais déjà, c'est cool. 1h15 après 32 minutes de run, ça me chauffe. Donc, pour ce petit déjeuner, parce que je vous ai un petit peu montré, mais je vous ai pas expliqué. Donc, moi, au petit déjeuner, vu que je déjeune plus, je savais plus trop quoi me faire. Donc, là, je suis parti sur du salé. Donc il y a deux tranches de pain de mie complet que j'ai passé au grille-pain. Je préfère un petit peu quand c'est plus croustillant. Après, j'ai trois œufs, donc deux blancs d'œufs et un œuf entier. Et avec deux tranches de blanc de dinde, moins 25% de sel ajouté. Voilà. Et à côté de ça, j'ai une banane et je me suis préparé mon thé vert, comme d'habitude, dans ma super tasse. Donc voilà, moi je vais manger ça. Je vais me préparer un peu parce que là, je vous ai pris toujours un full authentique. Regardez la tronche que j'ai, il n'y a pas de coiffure. J'ai même pas eu le temps de me rincer un peu le visage parce qu'en fait, je vais essayer de manger le plus tôt possible. Comme ça, j'ai le temps de digérer avant de monter sur le vélo. Voilà, là, je vais manger ça. Il est 8h30. J'aimerais bien monter sur le vélo vers 9h15, 9h30, grand maximum. Comme ça, je suis tranquille. Et puis voilà, let's go pour cette super vidéo. J'espère que vous allez kiffer. Et en fait, aujourd'hui, je me dis... C'est soit la séance, ça se passe trop facile, je suis trop bien, ou alors c'est la descente en enfer, j'ai des crampes de partout et je peux pas courir après le vélo, ou alors le vélo c'est trop dur, parce que je dois envoyer des intervalles de 7 minutes à 195 watts. Quand j'ai vu ça, je vous avoue, ça m'a fait un peu peur, parce que j'ai jamais fait 195 watts autant de temps. Donc on verra bien, et après pour le run, il y a quelques accélérations à 4-10 je crois, mais ça devrait le faire si j'ai pas de crampes. Et ah oui aussi, j'ai une petite technique contre les crampes, enfin que beaucoup d'entre vous m'ont donné, et que du coup je me suis beaucoup renseigné sur internet, que je vous présenterai juste après, avant que je commence le vélo. En tout cas, avant toute chose, tu peux déjà lâcher ton meilleur like, ton meilleur commentaire, tu mets n'importe quoi, moi comme d'hab, ça me soutient. Et puis voilà, let's go, c'est parti. Bon, l'équipe, ça y est, on se retrouve. Il est actuellement 9h18, donc ça va, j'ai eu le temps de bien digérer, comme vous avez vu. J'étais en train de préparer toutes mes affaires et tout, et j'avais du mal à me réveiller, à me mettre dans le truc. Du coup, je suis descendu en bas de chez moi, et j'ai de la chance, j'ai un petit café. Donc, comme vous avez vu, j'ai été prendre un bon double expresso, ça m'a mis un coup de peps, là, c'est bon, je suis chaud. Donc là, j'ai préparé toutes mes affaires, mais avant de vous parler de tout ça, je vous ai parlé d'une technique que je voulais utiliser pour mes crampes, parce que j'ai tout le temps des crampes, et là, ça va un petit peu mieux. Mais j'ai vu pas mal de choses et regardez ce que... Putain, mais qui me parle à cette heure-là?
Ah bah, c'est mon petit frère. On va être gentil. Du coup, ouais, donc la technique, eh ben, elle est très très simple. Je pense qu'il y en a qui l'ont peut-être déjà deviné. Mais vous allez voir que vraiment, je suis au fond du trou. Je ne sais plus quoi faire. Mais là, on va tenter le super jus de cornichon. Donc les gars, c'est pas une blague. Ça, à ce qui paraît, ça a vraiment des bienfaits sur les crampes et tout. Parce qu'il y a beaucoup de sodium. Et en fait, ça fait quelque chose sur ton système nerveux, je crois. Je suis pas un pro non plus. Mais en fait, ça va faire que... bref, ça va peut-être atténuer les crampes. Donc je connais pas encore assez bien le sujet pour vous en parler, pour vous promouvoir cette technique. Mais je vais essayer d'approfondir le sujet. Mais là, aujourd'hui, on va essayer. Et si j'ai des crampes, c'est la merde. Si j'ai pas de crampes, on pourra peut-être dire que c'est grâce à ça. Donc, on va s'en mettre un petit peu dans ce verre. Voilà, juste comme ça. C'est 1 ml par poids de corps, sachant que je fais 75 kg. Il faudrait que j'ai 75 ml. Donc, ça doit être à peu près ça. Il y a plein de vinaigre. Ça va piquer. Donc là, c'est juste... Donc là, je m'apprête à partir. J'ai tout prêt. On va cirer tout ça. Putain, j'en ai mis beaucoup, non? Je sais pas, les gars. On va goûter. Oh ouais, c'est salé. Oh, c'est pas bon. Oh, bon. Bon, allez, la discipline. Oh, c'est pas bon. Bon, j'ai été me rincer la bouche. Et donc là, ça y est, je vais pouvoir vous parler un petit peu de tout ce que je me suis préparé pour cette transition. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai mis mon cuissard habituel, pas besoin de mettre de haut parce que je suis obligé de faire ma séance sur home trainer déjà parce qu'il fait pas beau, il pleut de fou chez moi, donc déjà je vais pas aller faire la séance dehors, et en plus je suis d'astreinte donc avec mon travail, donc je suis obligé de rester autour de chez moi et rester à la maison, et sachant que si je dois aller faire 1h15 de vélo, c'est possible que je parte très loin, et si je suis appelé d'urgence et tout, je suis obligé de vite repartir. Donc voilà pourquoi je fais le vélo à la maison. Donc en termes d'équipement pour le vélo, donc mon cuissard, je me suis fait une gourde de 950 ml avec des électrolytes que vous avez vu que j'ai mis dedans. Les électrolytes, toujours les mêmes, c'est ceux de Decathlon. Je vois beaucoup de monde les utiliser, donc je me dis qu'ils doivent être pas mal. Voilà, je me suis mis juste une capsule dedans dans ma gourde. Ensuite, je me suis préparé deux gels. Donc en soi, je ne sais pas si je vais manger les deux, mais je sais que je vais au minimum en prendre un au milieu de la séance pour me donner des glucides parce que je vais en avoir besoin. J'ai beaucoup entendu parler qu'il fallait beaucoup s'alimenter pendant le vélo parce que c'est là que tu brûles beaucoup de calories et tu peux vite avoir des coups de down. Et si tu pars en course à pied et déjà que tu es KO, c'est pas ouf. Du coup, voilà, je vais essayer de bien m'alimenter pendant ça. Je me suis mis aussi la petite crème anti-frottement parce que j'ai jamais fait cette jonction vélo-course à pied, donc je me suis dit peut-être que je vais être hérité. Donc je m'en suis mis directement entre les jambes, basique. Voilà un petit peu pour le vélo, j'ai besoin de rien d'autre à part mon vélo et puis mon PC pour aller sur Zwift. Et comme vous avez vu, j'ai... Ah bah non, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Du coup, je vous mets l'extrait que j'ai fait hier soir où j'ai préparé ma séance. Bon l'équipe, donc là on est la veille au soir de la vidéo que tu t'apprêtes à voir. Donc là, je suis vraiment en full repos. Aujourd'hui, j'ai eu une séance pool donc, que j'ai fait ce matin. Je me suis levé à 5h20. Et comme ça, là, ce soir, c'est pas souvent que je me prends des soirées tranquilles comme ça. Tu vois, là, il est 20h. Je vais me mettre une petite série et je prends pas souvent le temps de faire ça, mais ça fait du bien des fois. Et là, je suis en train de créer la séance que je vais faire demain sur le vélo parce que du coup, sur Zwift, si tu as des séances spécifiques à faire, c'est à toi de les créer parce que normalement, je peux directement avec Ido Sport. En fait, c'est la plateforme où est-ce que mon coach Fabien me met les séances, mais j'ai un petit peu de mal. Du coup, là, c'est à moi de faire ma propre séance de... en fait, je regarde ce que Fabien m'a programmé et après, c'est à moi de la faire sur Zwift. Donc, pour ceux qui connaissent, ils ont l'habitude. Mais si tu connais pas trop, en fait, c'est très, très simple. Regarde. Zwift, ça se présente comme ça. Et en fait, directement ici, tu as les blocs à droite. Et en fait, tu les fais glisser, tac. Et après, ici, tu vois, ça te met la puissance à laquelle tu vas devoir être. Et ici, le temps. Et en fait, imaginons que là, je dois faire 10 minutes à 230 watts. Je mets 10 minutes ici. Et après, imaginons que je dois faire 5 minutes à 40 watts. Je reprends un bloc. Tac, je le mets là, et là je mets ça, et en fait ça me fait mes séances. Du coup on se retrouve dans le présent, donc là j'ai préparé toutes mes affaires pour la course à pied, donc je me suis préparé un gel que je prendrai directement avant de partir pour la course à pied, donc dès que je serai en train de m'habiller, je siroterai, enfin je mangerai mon gel. Ensuite, mes petites lunettes de vitesse, bien sûr, que je mettrai sur la casquette, une flasque d'eau que je vais venir caler dans ma petite banane. Il y a plein de gens qui me demandent d'où vient ma banane. Et en fait, les gars, c'est une Décathlon que j'ai payé 20 €. Il y a plein de petites poches où tu peux caler tes flasques, tes gels et tout. C'est franchement ton téléphone, c'est trop bien. Un petit short, parce que du coup, je vais pas aller courir avec mon cuissard. Une paire de chaussettes et mes Oka Carbon X3. Voilà, tout est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à
Je me mets sur le vélo, je prépare Zwift et puis on va être parti les gars, je suis chaud. Là ça y est, le café m'a boosté, la vidéo me booste encore plus et puis bah premier bike and run pour votre bison les gars. Bon l'équipe, je crois que c'est parti. Donc là, mon setup hyper bancal. Je m'y fais pas ces chaussures, surtout avec les cales en dessous. J'ai vraiment compris que c'était pas une paire de chaussures que tu devais utiliser pour marcher quoi. Bon, maintenant les cales, c'est tout bon, je gère normalement. Hop. Là, tu viens là. Tu te cales. Hop. Et puis ça est parti, j'ai tout, mes gels, ma boisson, mon téléphone, je vais me mettre un peu de musique pour me hype. Et puis on est parti pour 1h15 de vélo. Let's go. Et surtout, je vous jure que je me promets de garder ce genre de souvenirs quand j'étais dans mon petit appartement de 28 mètres carrés avec un setup hyper bancal comme ça. Mais bon, c'est ça qui fait un petit peu la folie de mon contenu, on va dire, parce que voilà, vous vous rendez compte qu'un petit peu n'importe qui peut se lancer dans ce genre de défi quand on a de la détermination, de la dalle. On est parti pour 1h15 de vélo, let's go. C'est parti. Donc là, j'ai 35 minutes à faire à 120 watts. Donc je suis bien, franchement je suis bien, j'ai mis les bretelles. Quand je mets les bretelles, c'est que je suis énervé. Non, en vrai, là c'est simple, mais je kiffe trop mon petit vélo. Je suis trop content de mon vélo. Je me dis, en vrai, j'ai beaucoup de chance parce que à 21 ans, avoir ce vélo, je me dis, je suis content. C'est déjà une petite fierté pour moi. Je sens que je vais avoir assez chaud parce que je vous ai posé des questions pour avoir moins chaud sur le home trainer. On m'avait tous dit un ventilateur, sauf que bah j'en ai pas acheté. Voilà, je suis un couillon. En vrai, je suis un menteur. C'est que mes parents, ils ont un ventilateur chez eux, un petit. Et du coup, je leur ai dit que bah, dès que j'allais rentrer chez eux, j'allais prendre leur ventilateur. Du coup, là, pour l'instant, bah, je peux pas rentrer chez moi, donc on va faire 100, on va avoir chaud. Mais c'est pas grave. Il me reste actuellement 7 minutes sur les 35 premières à 120 watts. Donc là, je sais que dans 7 minutes, il va falloir que j'envoie 195 watts. En vrai, ça va, je suis bien. Là, j'ai pas mal aux jambes, rien. Pas de crampes, les cornichons peut-être. Non, pas maintenant. Mais en tout cas, je suis en train de me rendre compte que j'aurais bien aimé faire cette sortie dehors. Mais bon, j'ai déjà bien tapé ma gourde d'électrolyte. Il m'en reste un peu. Franchement, c'est pas dégueu. Mais c'est pas le truc de ouf. Bien sûr, les gels MyProtein, les gars. Toujours le meilleur code, le code bison. Vous êtes pas mal à me soutenir avec ce code, c'est incroyable. Vous me régalez quand vous m'envoyez vos commandes. De toute façon, là, je vais en prendre un à la moitié, comme je vous ai dit. Là, ça fait déjà 28 minutes que je pédale. Je vais en prendre un vers 40 minutes, je pense. Mais voilà, on se régale, on commence un peu à transpirer, à avoir chaud. J'espère qu'en tout cas, vous kiffez cette vidéo. Et j'espère que j'arrive à vous motiver. Les messages que je reçois sur Insta, c'est incroyable. Je vous jure, vous me faites kiffer. C'est pour ça que je continue à faire les vidéos, parce que c'est trop trop bien. Merci pour tout, en tout cas. Tous vos messages, dites-vous pas... ouais, de toute façon, ça sert à rien de lui écrire un message. Soit il verra pas, soit il me répondra pas. Soit il en reçoit tellement qu'il s'en fout. Non, pas du tout. Chaque message, je le lis et ça me fait trop plaisir. Donc continuez à m'envoyer vos messages. C'est incroyable. Et surtout les commentaires sur Instagram, sur les réels. Vous me régalez. Bon, allez, on continue. Là, je fais le malin, mais je crois que dans 5 minutes 49, je vais m'en faire le malin. On est sur la première série de 7 minutes à 195 watts. Ça, on voit bien. Les jambes réagissent bien. C'est bon. Là, j'ai chaud. Mais on est bien. On est à... Je sais pas, on m'a dit que niveau cadence, fallait que je sois entre 85 et 90. Je suis à 91. Je me sens bien. Là, il me reste 2 minutes sur les 7 minutes. Et là, je me dis que dans 2 minutes, j'ai un gel. Donc, c'est ma petite récompense. Et ça me motive. Allez, let's go. Ouh, temps de repos. 2 minutes 45. On va prendre le premier gel. Et là, je sais pas, il y a un truc chelou au niveau de ma selle. J'ai senti, dès que je me suis relevé, à la descendue d'un cran. Du coup, j'ai trop peur qu'elle soit descendue et que du coup, ça me pénalise. Et j'arrive pas à envoyer les watts que je veux. Bon, on va essayer d'oublier ça. Prendre le gel. La récompense, elle est là. Ça fait du bien. Allez, mon gars. C'est que le début. Encore deux séries de 7 minutes. Deuxième série de 7 minutes. J'ai une musique de fou dans les oreilles, gars. On a tous une musique qui, quand tu la mets, t'as un gain de puissance. C'est terrifiant. Là, je pourrais tout casser cette musique. Bon, les gars, putain, j'ai mal cadré la caméra, ça me saoule. Ça se passe trop bien. J'ai fini les deux fois 7 minutes. Je transpire comme un dingue, je sais pas si vous voyez. Mais en vrai, au niveau des jambes, ça va. Je pense que je pourrais envoyer plus.
Mais bon, c'est normal, c'est le début. Mais il y a beaucoup de gens qui me demandent si j'ai un coach, si je fais ça tout seul et tout. J'ai un coach, c'est le même que j'avais sur du coup ma préparation marathon, c'est Fabien. Donc voilà, si vous avez besoin aussi vous, de coaching triathlon, marathon, objectif 10 km et tout, envoyez-lui un message. Les coachings, ils sont incroyables. Moi, je kiffe. Et puis, il y a vraiment une vraie connexion entre l'athlète et le coach. Et c'est un petit peu moi ce que je propose en musculation. Et c'est pour ça que j'ai choisi Fabien. Parce qu'il propose la même chose, mais surtout course à pied, triathlon. Donc voilà. Voilà, il me reste une fois 7 minutes. On continue de bien siroter ça. Et je vais pas prendre mon deuxième gel, parce que je ressens pas tellement le besoin. C'est peut-être une erreur, je sais pas. Et là, dans 1 minute 30, on fait le dernier 7 minutes. Let's go. Les gars, je suis fou depuis tout à l'heure. En fait, je vous mens sans le vouloir. En fait, je pensais que j'avais 3 fois 7 minutes du coup à 195 watts à faire. Donc là, mon temps de repos il se termine. Je m'en mets sur le vélo à fond, musique à fond et tout. Et là, je pédale. Et en fait, je vois 120 watts. En fait, je devais faire que 2 fois 7 minutes à 195 watts. Donc là, bah, en fait, j'ai 20 minutes tranquille à 120 watts. Donc on va les envoyer. Et puis après, ça va être l'heure d'aller courir. En fait, en vrai, c'est passé vite de fou. Ça fait déjà 55 minutes que je pédale. Et franchement, je suis bien, je kiffe. Il me reste du coup 19 minutes là. Et puis voilà. Incroyable, je pensais j'avais encore une fois 7 minutes. Je suis trop débile. On va s'équiper pour la course à pied. J'ai trop envie de voir la sensation que ça va me faire dans les jambes. Parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes muscles qui sont sollicités. Là, en vélo, t'as pas mal le fessier et tout qui sont sollicités. Course à pied, c'est surtout les quadris, les mollets. Enfin, je pense, hein. Du coup, on va voir, j'ai hâte de voir la sensation, de toute façon, je vous dis tout ça. Bon, les gars, ça y est. C'est terminé. Ah, enfin. Ça, c'est chiant, ça fait trop de bruit. 1h15 de vélo. Ok. Là, je me change rapidos. Et puis, on est parti. Bon, je viens de descendre du vélo. C'est l'heure de la transition. On déchausse les chaussures de vélo. Hop. Tac. Ok, bon là vous pouvez pas voir, faut que je change de short. Et voilà le short. J'ai aussi changé de chaussette parce que j'aime pas trop courir avec des chaussettes aussi fines. Parce que les chaussettes de vélo elles sont fines. Donc, je vais juste mettre mes chaussettes MP. Bon, je sais qu'il y a une technique normalement pour les mettre rapidement. Clairement je l'ai pas faite. Bon, c'est la première les gars, c'est pas hyper rapide. Mais là c'est pas grave. Moi je vois les difficultés que je vais rencontrer et que je vais pouvoir améliorer. Pour comment j'ai pas envie de mettre de t-shirt là, j'ai trop chaud. Je suis obligé de le mettre. En fait, dehors, il fait pas hyper chaud. Donc, ça va me faire tout drôle si je mets pas de t-shirt. Hop. Oh, ça colle. Hop. Hop. La ceinture. On serre ça. Hop. Donc là, je suis équipé. J'ai mis les chaussures. On met les lunettes de vitesse. Tac. La flasque directement. Derrière, dans la banane, qui tient parfaitement, qui gêne pas. Je prends le gel que je vais commencer à manger en descendant les escaliers. Les AirPods, et on est parti pour 32 minutes de run. Let's go, j'ai les jambes fraîches, je suis trop bien, ouais. Let's go. Bon, l'équipe, ça y est, on est parti. Donc, j'ai regardé, la transition a duré entre 5 et 6 minutes. En vrai, c'est long, mais le temps que j'ai, enfin, que je descende du vélo et tout... Bon, pour une première, ça va. Donc là, je suis parti pour 10 minutes en allure fondamentale. Après, il va falloir que j'envoie des allures un petit peu. Je vais prendre mon deuxième gel de suite. Mais franchement, je me sens bien. Je me sens même pas fatigué. Je me sens chaud. Donc, on va se partir. Oh, le tunnel infernal. Ouh. Je suis trop bien, les gars. Incroyable. Ok. J'ai 1,5 km. À faire à une allure de 4,15, 4,20, je suis bien, il n'y a pas de crampe, on est bien, on envoie. Allez, let's go, c'est maintenant. Ok, j'ai fini le premier 1,5 km, je vous avoue que sur la fin, je commence à avoir des crampes aux deux quadris. Donc ça me saoule un peu, je vous avoue. Du coup là, j'ai 3 minutes de repos, et après je dois repartir pour 1,5 km, pareil, allure 4,20. Et après, bah, du coup, ça sera fini pour les allures, et j'aurai 10 minutes de récup en allure fondamentale. Ah, 100 mètres. Je suis en train de m'habituer à courir avec des crampes au quadri.
incroyable. Yes! Ça y est, l'équipe, c'est bouclé. Le bike and run est terminé. Donc là, je regarde la montre. Et ça y est, on a terminé. Ouh. Hop. Donc là, attention, ça fait un run de 32 minutes, 6 km. Voilà. On coche cette case encore une fois dans ma vie. Un petit truc encore d'accompli, la transition vélo-course à pied. Donc 1h15 de vélo, 32 minutes de course à pied qui font 6 km. Ça fait plaisir. Bon, là, je rentre tranquillement et puis on fait un petit débrief sur tout ça. Incroyable. Bon, je crois qu'il est temps de faire le récap de cette transition. Bon, du coup, je vais vous faire le petit ressenti à chaud. Là, je viens de rentrer du run sur cette première transition. Et franchement, c'était vraiment incroyable. Déjà, juste pour regrouper le truc, on va commencer par le vélo. Et aussi, on va commencer par le commencement, l'alimentation. Donc, comme je vous ai dit ce matin, je vous ai montré aussi, j'ai fait un petit déjeuner. Et franchement, j'ai trop bien fait de le faire parce qu'il m'a donné de l'énergie et je me suis senti trop bien sur le vélo. Donc ça, là-dessus, c'est un très bon choix de ma part. Et merci à vous surtout de m'avoir conseillé d'augmenter les calories parce que je pense que cette séance ne se serait pas passée comme ça si j'aurais pas déjeuné ce matin. Ensuite, sur le vélo, du coup, j'avais 35 minutes à faire tranquille, donc à 120 watts. Après, j'avais donc 2 fois 7 minutes à faire à 195 watts. Et après, du coup, j'avais 20 minutes tranquille à 120 watts. Et franchement, les 2 fois 7 minutes à 195 watts, ils sont trop, trop bien passés. J'étais trop à l'aise. Franchement, ça pédalait tout seul. J'aurais même pu monter à plus, je pense. Mais comme je vous dis, c'est le début. Et même, je pensais qu'il y en avait 3 des séries. Et en fait, il y en avait 2. Donc, très, très bien. Franchement, niveau alimentation, du coup, le gel à la moitié, parfait. C'est pile ce qu'il fallait. Je pense qu'il n'y aurait pas eu d'utilité que j'en prenne un deuxième. Et au niveau de la boisson, pareil, avec les électrolytes, c'est bien passé. Ça m'a duré toute la séance vélo. Ensuite, la transition. Donc, comme je vous ai dit, j'étais un petit peu long. Le temps de mettre les chaussettes et tout. Fallait que j'échange de chaussettes, fallait que je change de short et tout. Alors, en course, j'aurais une trifonction. C'est-à-dire, en gros, j'aurais une tenue pour la natation, le vélo et la course à pied. Donc, à ce niveau-là, j'aurais pas besoin de changer. Mais là, fallait que je change. Du coup, après, je suis descendu et je suis parti pour le run. Donc à ce moment-là, j'étais trop bien. J'étais en furie, je venais de prendre mon deuxième gel. Les jambes, ça allait trop trop bien, de trop bonnes sensations. J'avais 10 minutes à faire tranquille, allure fondamentale. Pareil, ça passe bien et tout. Bonne musique, tac tac, ça part bien. Et après, j'avais 2 fois 1,5 km à faire allure 4 minutes 15, 4 minutes 20. Je pars très bien pendant environ 500 mètres. Et après, là, j'ai senti les crampes qui sont arrivées. J'ai fait non ! Du coup, j'ai eu des crampes dans les deux quadris. Et je me suis dit, putain, ça fait pareil qu'au marathon. C'était la même sensation qu'au marathon. En gros, mes jambes, c'était des bâtons. Donc là, je me suis dit, allez, tu te concentres. T'essayes de trouver une technique pour les atténuer. Donc j'ai réussi à trouver une technique. C'est-à-dire que j'attaque un peu plus du talon. Et j'augmente ma cadence. Et en fait, c'est exactement ce que je vous ai dit. Quand je courais, je m'habitue à courir avec des crampes. Et franchement, ça allait. Bon, c'est un peu chiant parce que du coup, t'as mal au quadri et tu sens que tu pourrais aller plus vite parce que la fréquence moyenne n'allait pas haute, mais les jambes ils subissent. Mais j'ai réussi à tenir du coup les 1500 mètres allure 4,15, 4,10 même. Donc ça, c'est cool. Bon, et là, du coup, est-ce qu'on peut dire que le jus de cornichon, ça sert à rien? Je pense pas. C'est la première fois que j'en prends, donc je peux pas faire de conclusion là-dessus. Mais je vais continuer à en prendre au fur et à mesure. Peut-être que j'aurais dû en prendre juste avant mon run. Je ne sais pas. Comme je vous ai dit, je vais continuer à me renseigner là-dessus. Encore chiant, ces courbatures pendant mes runs, ça me saoule. Mais comme je vous l'ai dit durant les vidéos précédentes, je pars en voyage du 16 au 24 mai, je ne vous dis pas encore où. Et en fait, durant cette semaine, je vais vraiment essayer de prendre du repos sur la course à pied et le vélo pour reposer mes jambes. Je vais continuer à nager pour continuer à améliorer ma technique, vu que j'ai mon premier triathlon le 8 juin. J'ai pas tellement le temps de me reposer. En fait, c'est ce que je vous ai dit. J'ai l'impression que après mon marathon, j'ai pas pris de vrai repos sur mes jambes. Genre, je crois que j'ai pris 3 jours sans faire d'activité. Après, j'ai directement repris la muscu. Après, j'ai repris les runs. Donc, je pense que ça, c'est un peu une erreur de ma part. Donc, je vais essayer de reposer tout ça parce qu'en fait, là, je sens que la séance que je viens de faire aujourd'hui, franchement, elle est trop simple. En termes de puissance sur le vélo, trop facile. En termes d'allure en course à pied, trop facile. Mais c'est les jambes qui sont fatiguées. C'est mon corps qui est fatigué. Donc voilà, on continue de bien dormir, de bien manger pour récupérer tout ça.
Mais en tout cas, conclusion, c'était trop bien. J'ai trop kiffé, c'est passé hyper vite. Et en soi, c'était assez simple malgré les crampes. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait 40 km de vélo et 6 km de course à pied. Donc pour l'Ironman, j'ai 180 km de vélo à faire et 42 km de course à pied. Donc, et en plus, j'ai la natation avant. Donc en gros, voilà, ça, on est vraiment tout au début de cette prépa. Mais c'était trop cool. J'ai hâte d'augmenter ces distances, d'augmenter le temps sur le vélo aussi. Parce que là, franchement, j'ai bien kiffé. Et puis voilà, là je vais aller prendre une douche, je vais manger, je vais recharger les batteries, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais manger, ça va être très simple comme d'habitude. Mais je commence un petit peu à avoir faim là, je vous avoue, les gels ça m'a pas calé, moi qui ai un gros mangeur en plus, là. Mais par contre le petit déjeuner de ce matin, quand j'étais sur le vélo, à aucun moment je me suis dit, putain j'ai envie de manger, j'ai faim, pas du tout. Donc ça, je le garde, et en plus c'était trop bon. Et aussi les gars, en termes de flasque, moi c'est toujours la flasque base Athletics, elle est trop trop bien. Si vous en avez besoin d'une, vous avez toujours le code BISON sur votre flasque. Ou alors si vous avez besoin de vêtements ou quoi, vous mettez le code BISON, vous avez moins 10%. Voilà les gars, bon allez, moi, ouais là je pue. Maintenant, bonne douche et on se retrouve après, let's go. Bon l'équipe, ça y est, j'ai bien pris ma douche, ça fait du bien. Et là c'est l'heure de manger, j'ai faim de fou. Donc pour le repas du midi, toujours rien de compliqué, je vais vous montrer ça. On va avoir du riz et des œufs. En termes de quantité, j'ai 100 g de riz pesé cru que j'avais fait cuire hier soir. Comme ça aujourd'hui, j'ai pas eu besoin d'en faire cuire. Et ici, je me suis fait cuire 5 œufs. Je vais directement venir rajouter le ketchup. Zéro sel ajouté, toujours le même. Et en même temps, on va se regarder une petite vidéo YouTube comme d'habitude. Voilà, la recharge, let's go. Et le petit dessert, donc ici toujours... Putain, à chaque fois, le tram, il passe quand je prends la caméra, c'est terrible. Bon, du coup, je disais, pour le dessert, du coup, mon mélange préféré, donc fromage blanc, beurre de cacahuète, toujours MyProtein, de la Whey Isolate, pareil, MyProtein, un petit peu de banane et bien sûr, des flocons d'avoine. Et ici, donc là, c'est galette de riz, donc deux galettes de riz, ici, beurre de cacahuète avec une banane, enfin, un petit peu de banane et du miel dessus. Et ici, donc, galette de riz, beurre de cacahuète, confiture allégée, à la framboise et un petit peu de banane dessus. Voilà, j'espère que ça vous donne envie parce que c'est incroyable. Bon, du coup, taste test de ça. Donc, j'ai tout mélangé et ça vous donne un peu... J'avoue, ça donne pas tellement envie, mais c'est trop, trop bon. Le croustillant du beurre de cacahuète avec la whey et tout, c'est trop bon. Incroyable. Et ça, je vous jure que quand vous avez mangé ça, vous êtes calé. Bon l'équipe, comme d'habitude, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir et je m'aperçois qu'elle fait déjà 28 minutes, donc on va s'arrêter là-dessus. Et franchement, je suis assez content de la vidéo parce que vous arrivez vraiment à voir comment ma journée s'est déroulée, parce qu'en fait, je vous ai tout filmé du matin jusque du coup à mon repas du midi avec la transition et tout, donc franchement trop trop bien. J'espère que vous avez kiffé, que vous kiffez surtout l'authenticité, parce que vous voyez, j'essaye de, en fait, de faire le moins de montage possible. Vraiment, je cut juste les moments inutiles, mais sinon vraiment, je vous laisse tout comme ça se passe dans la vraie vie. Donc c'est ce que je préfère faire, vraiment c'est full vlog, full authenticité. Et donc on va continuer sur cette lancée, je vois que vous aimez bien, parce que comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, les vues YouTube montent bien, et donc ça me prouve que vous aimez de plus en plus mes vidéos. Donc c'est trop trop bien. Là, le montage, il est en cours, voilà, c'est la fin. De toute façon, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. C'était bon.